connard ! Monsieur le connard ! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali, et j'ai été regarder Crazy Bear d'Elizabeth Banks. Bounce ! Millions of dollars worth of cocaine fell from the sky this morning in Knoxville, Tennessee. A lot of cocaine was lost. I need you to go and get it. No, don't eat that. The bear, it fucking did cocaine. A bear did cocaine. Higher, baby, and don't ever come down. We have such good luck in nature. Une cargaison de CC échoue dans une forêt de Géorgie. Les propriétaires de la substance viennent tenter de récupérer leurs produits, mais il y a également un policier qui aimerait bien pouvoir intercepter tout ça avant les dealers. Tout ça au milieu d'un parc naturel où vont se croiser enfants, trafiquants, randonneurs, policiers et un ours qui a ingurgité les stupéfiants. Littéralement. Donc on a un ours sous coke et tout va bien. La photographie, eh ben c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait un joli travail, même en lumière naturelle, c'est plutôt propre. La réalisation, elle est plutôt bonne, créative, avec des petites idées qui rendent hommage au cinéma des années 80. Il y a quelques plans et séquences bien pensées, et personnellement, j'ai trouvé que la séquence de fin était très bien réalisée. Le scénario, c'est sympatoche, sans être un truc de fou. C'est plus axé sur l'humour. En même temps, un ours qui se retrouve sous cesse, c'est déjà chelou. C'est un peu gras parfois, mais bon, dans le contexte, ça passe. On est vraiment dans une comédie, c'est inspiré de faits réels, et ma foi, ce qu'ils ont trouvé pour enrober un petit peu tout ça dans le scénario, sans être très original, c'est plutôt sympa. Pour ce qui est du casting, les deux gosses s'en sortent plutôt pas mal, ça va. Ça casse pas des briques, mais ça va. O'Shea Jackson Jr. Alors lui, c'est le fils de son père, il n'y a pas de doute. C'est pareil, c'est un mini Ice Cube. Voilà, ça fait le taf. Alden Ehrenreich. Franchement, là, de ce que j'ai vu, c'était quand même mauvais. Voilà, je l'ai trouvé plus ridicule qu'autre chose. Je sais pas les autres fois ce que ça donne, mais là, non, c'était pas très très bon. À noter quand même que c'est la dernière apparition du regretté Ray Liotta, paix à son âme, et on pourra dire que jusqu'au bout, il aura toujours été impeccable. Chapeau, monsieur. Le reste du casting, bon, ça va, en même temps, c'était pas très compliqué. On est dans le ridicule, un petit peu le grotesque, donc ça va, c'est pas très difficile. Pour les effets visuels, eh ben, les ours sont vraiment pas mal. Alors, les premières séquences, c'est pas tellement abouti, c'est pas super fluide, mais après, et au global, franchement, moi j'ai trouvé que ça passait bien. Personnellement, j'y ai cru, il y a même des fois où j'ai un petit peu tressailli, hein, puisque vous savez que moi je n'éprouve pas la peur. Je plaisante. J'ai un petit peu tressailli. Non, franchement, à ce niveau-là, ça va. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. La musique, elle est banale, mais elle est correctement exécutée, utilisée. Ça aurait été une musique libre de droit, on était kiff-kiff. Alors, on a là un petit film sans grande prétention, mais c'est une comédie plutôt réussie. La note, ce sera 6,5 sur 10, mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Crazy Bear, franchement, ça va. L'idée de base étant plutôt bonne, il fallait juste construire et meubler autour. Et là, pour le coup, ils ont pas pris de gros risques puisqu'ils ont été sur le terrain de l'humour. Mais je trouve que c'est plutôt bien et à la hauteur. Alors, on n'atteint pas des sommets, ni au niveau d'écriture, ni au niveau de la réalisation. On est dans quelque chose qui tourne en dessous de 8-9 euros. Mais sinon, ça va, c'est pas un mauvais moment à passer. Je reste quand même avec le sentiment qu'il y avait un peu mieux à faire. Et je pense qu'un Guy Ritchie avec le même sujet aurait pu traiter la chose de manière un peu plus... avec plus de peps.
Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, sinon dites-moi ce que vous voulez en commentaire, ça sera toujours bienvenu. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, c'est totalement gratuit comme s'abonner et ça m'encourage grandement. Après, si vous voulez apporter un soutien plus appuyé, ce que j'apprécie, eh ben vous pouvez vous rendre sur Tipeee ou PayPal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.